Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit coup d'épaule. On est bien entendu les petits loups sur WW2K20. On fait un match totalement improbable. John Cena face au Captain. Captain America, il est là. Et c'est un match qui est proposé par qui? Bien entendu, par Jeff Vieilleux. J'espère que je l'ai bien dit. Il m'a dit si tu pouvais faire ce match. Et nous sommes à la fête hivernale. C'est un endroit qu'on a durant le mois de carrière. Et je me suis dit, voilà. Moi, j'aime bien l'hiver. Hein. J'aime bien quand il fait froid, plutôt que quand il fait chaud. Voilà. Parce que je préfère. Vous êtes plutôt quoi? Team hiver ou team été? Parce que avant j'adorais l'été. Mais maintenant, je préfère largement l'hiver ou l'automne que... Oulala, ok, you can see you. Je t'ai vu. Y'a pas de problème, d'accord. Donc petit match assez sympa. Comme d'hab, les petits loups dans les commentaires. Là, c'est l'espace où vous devez mettre des matchs qui font une superstar qui existe. John Cena, de la WWE, et Captain America. Héros de comics, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Une superstar avec un héros de comics, un méchant, un personnage d'animé, enfin ce que vous voulez, tant qu'elle existe dans le jeu, bien entendu, et tant qu'une personne l'a créé. Parce que bah, si c'est pas le cas, voilà. C'est normal que je puisse pas l'inventer. Parce que si je devais écrire chaque fois le personnage qu'on me demande de jouer, ça me prendrait un petit peu beaucoup de temps. Voilà. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et vous pouvez aussi laisser un petit like. Pour le Captain, il en a bien besoin. Le pauvre, tout ce qu'il aura subi. Mais là, c'est vraiment un combat de biscotto. Hein. Parce que là, John Cena... Ouais, on peut dire ce qu'on veut de John Cena. Il a les muscles, il a tout ce qu'il faut. Et Captain America, bah, il n'avait pas les muscles. Et il les a eu. Bah après, bon, dans la logique, le Captain est quand même plus fort. Mais on ne sait jamais. Après, cette défaite face à Offind, peut-être que Cena est devenu encore meilleur. Il s'est transcendé, je ne sais pas. Nous verrons ça. Si on le revoit sur un ring. Voilà. Hop là, ça s'est fait. C'est quoi? Voilà. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. On va même tenter de faire le petit tombé. Allez, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Elle a une. Simplement un. Et oui, mon petit Captain. Tu te poses des questions. Le comment, le pourquoi. Mais c'est normal. C'est John. Oh là là. Il est fatigué, hein, le pauvre. Mais nous, on lui laisse aucune chance pour le moment. Après, il fallait que je dise ça pour qu'il me contre, non? Ok, tout va bien. Démonstration de force. Ah, je peux dire comme ça toute la journée s'il y a besoin. Et voilà. Mais un Captain n'est pas un Captain s'il ne tente pas quelque chose. On y va. Attention! Oh là là, vous voyez cette amplitude? On va même pouvoir la revoir. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime donner une double ration. Allez. À la une. À la deux. À la trois. Oh là là. Coup de genou en plus. Hein. C'est même pas un coup de tête ou quoi que ce soit. Aïe aïe. La John, ouais. Fais ça parce que... Oh aïe aïe. Tu sens qu'il met toute sa puissance. C'est les joues le plus important. Allez, viens. Come on. Come on, John. Ah, ok. Faut pas trop le chauffer non plus, hein. Je suis là, moi, comme ça, et tout. Ouais, John. À un moment, je le chauffe, on est en hiver. Vous savez ce qui va se passer. Aïe. Bien joué. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il fait le yo-yo avec mon corps. Il m'utilise comme un instrument de musculation. C'est pas bien, ça. Aïe. Oh, tu veux te calmer. Oh, j'étais sûr de l'avoir contré, là. Je pensais qu'il avait mis un coup de coude en contre, mais non. Ça, c'est contré. Voilà, bien joué. Petit coup comme ça. Ah, je pensais qu'on arrivait dans le dos. Tellement technique. Alors tiens, on va voir ce qu'il a comme deuxième attaque spéciale. On a vu la première. Et la deuxième. Ah bah encore une fois, démonstration de force. Ça c'est beau. La personne qui a créé le personnage et qui a fait la liste de coups, bah c'est assez réfléchi. Et ça j'aime beaucoup, tu vois. C'est par rapport à sa force, ça lui va très très bien. Et là, hop là, finisher au coin. On lui a mis un spear peut-être. Attention, on y va. Ouf. Il est parti trop loin. Il est parti beaucoup trop loin. Et c'est magnifique. Quand je dis trop loin, c'est que c'est bien. Je suis très content du spear qu'il lui a mis. Tu sens qu'il y a de la patate. Il a peut-être mis un oh my god. Attention, vous êtes prêts, oh my god. On va voir ce que c'est. Troisième corde. Ouf. Là, c'est même pas une tarte. Hein. Là, il a mis une patate. Je pense qu'il lui a décroché au moins 2-3 molaires. Attention, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Le public, tu vois, le public du Canada doit être
très très heureux. Parce que voir ça, c'est pas tous les jours. Voilà. Au moins il le rend bien. This is awesome. C'est vrai. Nous sommes d'accord. Alors hop. Ah, je pensais pouvoir le mettre sur le ring. On est en totale domination, mais il faut faire gaffe. Ah bah. Il s'est réveillé comme si de rien n'était. Vous savez quoi ? John Cena, moi ce que j'ai envie, c'est de le soumettre. J'ai envie de le soumettre. Sauf que voilà. Soumettre John Cena, c'est pas une mince affaire. Surtout que là, j'ai pas voulu utiliser toute mon énergie. On va jouer avec les cordes. Vous savez, hop là. On l'envoie. Petite esquive. Hop là. Et ensuite. Voilà. Quand ça s'enchaîne comme ça, moi, je kiffe. Pour l'instant, Captain, il me déçoit pas. Son rôle de Captain lui va parfaitement. Nice. Et c'est le moment. C'est le moment de tout donner. Levez les mains vers le ciel, parce que là, ça va être la fin. La fin, c'est maintenant. Tu contres pas. Hein. Attention. Qu'est-ce que tu as mis comme soumission? Aïe, aïe, aïe. C'est dommage qu'on ne voit pas très bien. Mais on sent qu'il fait bien mal. Oh là là. Ah, je suis perdu. Oh, je suis perdu. Oh, je suis perdu. Bien joué. Aïe, 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 aïe. En plus, avec son protège-genou, ça va bien faire mal. Mais qu'est-ce qu'il croit, franchement? Ah, mais monsieur l'arbitre, là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec lui? Il vous a payé? Je suis pas d'accord, hein. Non, il va bien, il va bien. Ça, c'est moi qui le dis. Il va très bien. Il a fait ça, c'est pour gagner du temps. En plus, il a même petit sa révolte. Vous voyez, monsieur l'arbitre, à cause de vous, ce qui se passe, là? Un retournement de situation. Tellement le jeu est d'accord avec moi, bah, ça l'a fait bugger. Hop là. Ah, bien joué. Ça contre sur contre. Ouf! 619, on va en tenter un. Ouh, voilà. Je me doutais. Je me doutais que ça va fonctionner. Mais je me suis dit, bon. Eh. On peut pas savoir qu'on ne tente pas quelque chose. Hein. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un match 5 étoiles. Ah. Mon spécial n'a pas fonctionné. Vite, tap, tap, tap. Ah, dommage. Attention. Aïe, aïe, aïe. Relève-toi. 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 Debout. Debout. Captain, debout. Allez, on a besoin de toi. Captain, debout. Je sais pas si ça le motive, mais... J'ai envie de croire que oui. Ça, c'est nickel. Oh là là. Il me contre tout. Et moi aussi, je lui contre tout. Oh mais non, pas possible. Je lui fais le coup spécial. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, il me contre. Hop là. Ah, il s'est relevé vite, John, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça y est, c'est parce qu'il fait froid et tout, tu veux vite rentrer. J'avoue, hein. Tout le monde a des doudounes, des bonnets. Y'a que toi et moi. Nous, on n'a rien. Vraiment, Allez. C'est le moment. Parfait. C'est fini. Je vous le dis. Moi, je le connais, mon petit Captain. Et je sais quand il a battu quelqu'un. Victoire de Captain America face à John Cena. En espérant que Jeff, ça t'ait plu. Et que vous, les petits loups, bah, ça vous ait plu aussi. Et puis sinon, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!